La co-orientation, c'est une méthode rapide, efficace et pérenne qui permet de trouver sa voie professionnelle. Elle s'applique à un groupe de participants. Elle va déclencher chez chacun une réflexion-action sur leurs valeurs, leurs aspirations, leurs singularités. Et en particulier, elle va leur permettre de déterminer dans quel environnement s'épanouir. C'est une méthode qui utilise trois principaux leviers d'action. Tout d'abord, s'aider en aidant les autres, bénéficier du miroir du groupe, ce qui permet à chacun de préciser sa singularité, sa différence et d'ouvrir sur des possibles non envisagés. Cet ouvrage s'adresse à un public assez large, qui va des responsables emploi et carrière de l'enseignement, des responsables d'orientation, des gestionnaires de carrière, à des coachs, aux étudiants, aux parents et aux enseignants. Identifier et repérer l'environnement de travail adapté à sa personnalité, ses valeurs, son ambition. Également, acquérir des mots-clés sur l'entreprise et le job ciblé pour s'y adapter plus rapidement. Et enfin, surtout, déclencher une réflexion de fond qui les suivra tout au long de leur vie. Entre concevoir, animer, expérimenter, transformer, transmettre une méthode et la mettre par écrit, pour moi, il y avait un gap important. Donc j'ai eu besoin de deux talents supplémentaires. Celui de Dominique, pour sa plume précise, exigeante et cultivée, et celui de Margaret, pour ses talents d'illustratrice. Alors, pourquoi j'ai accepté cette collaboration? J'ai accepté avec enthousiasme, enfin, au-delà de l'amitié qui nous lie. Je suis totalement convaincue par la qualité et l'efficacité de cette méthode. Et par ailleurs, ce travail de co-écriture a été pour moi l'occasion de un enrichissement dans la découverte de la pensée de l'autre que l'on essaie de traduire le plus finalement possible. Et pour moi, comme Dominique, je suis convaincue de l'efficacité de la méthode, l'ayant expérimenté au début en tant que cobaye. Et Isabelle me décrit à peu près ce qu'elle cherchait en tant que dessin, et nous avons réussi de mettre ça au point ensemble.